Bonjour tout le monde. Alors me revoici. Donc tout d'abord, merci beaucoup à toutes pour tous vos messages d'encouragement, vos messages super gentils. Puisque donc j'ai. Alors on a eu des soucis dans ma belle famille, des soucis de santé assez graves qui ont fait que ben, j'ai dû m'absenter, j'ai dû partir au Portugal. Et voilà. Donc merci à tout le monde dans tous les cas. Et donc ben voilà, je suis revenue. Les choses se mettent en place au Portugal petit à petit. Bref, en tous les cas, voilà, je voulais aujourd'hui vous faire un haul, puisque donc au mois de mai, il y a eu mon anniversaire, il y a eu la fête des mères, donc j'ai été gâtée, en fait, j'ai eu des sous, entre autres. Et donc samedi dernier, je suis allée à Bordeaux. Au magasin Emma. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le magasin Emma. HEMA, qui se trouve rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Il y en a un tout petit aussi, je pense, à côté de la gare. Et puis voilà, je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les régions. Bon, chacune ses magasins, hein. Il y en a qui ont des noces, des actions et autres Eman. Et ben, nous, on a Emma. Voilà, c'est la première fois que j'y allais. Alors, c'est pas un magasin de scrapbooking, c'est un magasin où il y a de tout en fait. De tout. C'est un magasin néerlandais. Donc moi, ça, au style, ça me fait penser un petit peu au style anglais. Enfin, voilà, c'est quand on dit un magasin qui fait de tout, c'est pas une solderie, c'est plutôt, je sais pas, on va dire comme Casa ou Maison du, non pas Maison du Monde, quoique. Enfin, en tous les cas, Casa, des magasins comme ça, voilà. Mais alors à des prix, mais voilà. J'ai essayé de me rappeler un petit peu les prix de ce que je vais vous montrer, et vous allez voir que c'est vraiment, ça vaut le coup. Alors moi, ce que j'ai acheté, c'est surtout de la papeterie, mais qui vont me servir, voilà, autant pour mon agenda que pour mon scrap, mon project life, pour mes courriers quand j'envoie des courriers à mes copines, etc., etc. Donc, par quoi je commence? Je vais commencer par ces tampons en bois. Alors, le tampon est à 3 euros et je les ai tamponnés donc pour vous montrer que franchement la qualité est vraiment 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 sympa. Donc celui-ci, il est là et il se nettoie nickel, hein. Voilà. Un chevron, voilà. Une petite étiquette pour mes courriers, donc Special Delivery for, hop, voilà. Et une liste que voici. Voilà, je les ai tamponnés à la Versafine et franchement, ils sont nickel. Donc 3 euros le tampon en bois. Ensuite, alors là, un petit peu moins contente de ce produit puisque j'ai tout testé pour vous. Pour moi aussi, hein, un petit peu, mais bon, en tous les cas, tout testé pour la vidéo. Des roller stamps. Donc, ce sont des tampons pré-ancrés. Alors ils étaient à 1 euro, c'est sûr. Alors voilà, c'est pas cher, mais pour le coup, c'est pas terrible. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc soit on appuie trop et ça bave, soit on appuie pas assez et du coup, on voit pas bien le dessin. Bon, il y en a qui sortent assez bien. Voilà, bon, je garderai ça, je pense pour, je sais pas, pour décorer mes enveloppes ou j'en sais rien. Je verrai. Voilà. Ensuite, alors autre test pas très concluant, ce sont ces tampons-là. Alors c'est sûr, hein, c'est pour les enfants, mais bon, même chez les enfants, on a droit à la qualité aussi. Voilà, comme ça, ils sont super, ça donne super envie, je trouve. C'est à 2,50 € le set, c'est pareil, c'est pré-ancré. Et en fait, voilà, j'en ai fait quelques-uns, donc vous voyez, c'est pas top top. Ou alors, il faut vraiment. Je sais pas, d'abord faire sur un brouillon pour voir s'il faut appuyer plus ou moins. Bref. Voilà, on va dire pour les flops. Ensuite, donc, alors, il y avait du washi tape. Alors moi, je suis une dingue de washi tape, mais je trouve ça super cher. Donc voilà, quand je peux faire des bonnes affaires, ben, je saute dessus. Alors, ils étaient à 2,50 € le paquet. Et ils sont super beaux. Donc il y a celui-ci. Celui-ci, donc pareil, 2,50 € le paquet. Là, il y en a 3
tout fin. Donc ça, c'est génial pour les agendas. Donc argent, là, il y a des petits papillons. Hein. Je pense pas que vous allez les voir, mais voilà. Et puis un rayé. Et celui-ci, toujours 2,50€. Ce sont des tressins. Ah oui, non, je croyais qu'il y en avait 4. Non, non, il y en a 3. Le dernier, en fait, c'est deux couleurs sur le même. Voilà. Ensuite, une petite perfo. Ah bah là, j'ai même plus le prix, mais enfin, ça doit être. Je sais même pas si c'est 1€ la perfo, je suis même pas sûre. Voilà, petit perfo, un petit nœud. Donc voilà, je l'ai percé. J'ai punché un petit nœud pour vous montrer. Ça marche hyper bien et c'est trop mignon, tout petit. Voilà. Ensuite, des post-it. Donc, alors moi, les post-it, je m'en sers pour tout, en fait. Pour mon projet Clive. Alors, un autre projet que je vais bientôt vous présenter aussi. Pour tout. Donc, celui-ci à 75 centimes. Voilà, trop beau. Et celui-ci, donc c'est pareil, c'était 75 centimes. Donc là, vous voyez, il y en a plusieurs. Et cela, alors je pense que ça va faire la taille d'un agenda taille personnelle. Je pense, hein, je suis pas sûre, mais en tous les cas, moi, mon agenda, c'est un Filofax, c'est un A5. Et ça, il va dedans. Hein, ça fait la moitié de l'agenda, mais ça rentre dans les anneaux. Donc, voilà. Ensuite, les stickers. Alors, les stickers, ils sont en gros à 75 centimes le paquet. Donc ça se présente comme ça. Par exemple, ceci, ce sont des puffy stickers. Donc là, il n'y a qu'une une page. Ensuite, ceux-là, ce sont des cœurs. Donc je vous montre aussi l'emballage parce que bah pour les filles qui veulent faire une commande en ligne, qui n'ont pas de Emma chez elles, c'est possible de faire des commandes en ligne. Voilà, donc comme ça je vous montre un petit peu l'emballage. C'est peut-être plus facilement repérable après sur le site pour celles que ça intéresse. Donc dès que. Alors ceux-là ils sont un peu velours, vous savez. Voilà. 75 centimes, je crois qu'il y en avait même à 50 centimes, hein, je ne me rappelle plus lesquels. Cela, donc voici l'emballage. Donc là, il y a deux feuilles. La première feuille avec des paillettes. Je ne sais pas si vous pourrez voir les paillettes, mais. Ah bah non, celui-là, il a des paillettes sur les deux. Bon, ok. Voilà. Ensuite, celui-ci. Avec les animaux de la ferme. Les animaux et le fermier. Voilà, donc là c'est par deux et c'est voilà 50 centimes ou 75 centimes, je sais plus. Ensuite, toujours pour les amoureuses des agendas qui décorent leurs agendas, ceux-là, alors je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais ils sont trop beaux. Donc il y a du gold et puis des couleurs néon, ils sont vraiment vraiment magnifiques. Donc vendu par deux. Ensuite, il y a ceci aussi, donc vendu par deux. Voilà. Ensuite, ça, ce sont des. Attendez, tout est collé. Des puffy stickers. L'emballage, il est comme ceci. Donc deux pages aussi de. Ah bah oui, ils sont collés, attendez, hop, voilà. On voit rien. Voilà. Donc, puffy. Voilà. Et l'autre qui était vendu avec. Voilà. Ensuite, un autre pack de deux. C'est le même style que l'autre, c'est des puffy. Celui-ci et celui-ci. Voilà.
Alors, toujours pour les amoureuses des agendas, dans cet emballage-là, hop, ceci, par deux aussi, c'est des tout petits carrés, tout petits stickers. Voilà. Ensuite, alors là, c'est un sticker book. Alors, celui-ci, il fait, alors je sais plus si c'est 1,50€ ou 2€. Je crois que c'est 1,50€. Je sais plus. Donc, avec ça, ce sont des angles, enfin des coins fleuris, d'autres coins fleuris, des fleurs, des triangles. Enfin, vous voyez ce que c'est. Hein. Et là, donc voilà. Des speech bubbles, c'est des petits oiseaux. Et des étiquettes. Voilà. Ensuite, un autre petit carnet, celui-ci, il était un autre.